de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Rwanda. Félix Tshisekedi, c'est le côté de rédacteur de la lettre. Des acteurs politiques comme Nelson Mandela, qui lui aussi est en prison de l'autre côté en Afrique du Sud. Et on a tendance de comparer parfois Mandela. Effectivement, nous l'avons dit, le président rwandais vient d'arriver avec Vital Kamerhe à bord de la même Jeep. Protocole observé à l'aéroport de Ndjili. Même disposition protocolaire également ici au stade des Martyrs. Les Rwandais qui se dirigent vers la tribune d'honneur où sont déjà installés le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et également installé le président angolais João Lourenço. Mais aux très, très chers téléspectateurs, nous annonçons, si tout va pour le mieux, l'arrivée également ici à Kinshasa du président congolais Denis Sassou Nguesso, qui a aussi marqué son accord pour venir participer personnellement aux obsèques de Étienne Tshisekedi wa Mulumba ici au niveau du stade des Martyrs. Les obsèques officielles étaient prévues pour demain, mais d'ailleurs il faut le rappeler. Aujourd'hui, c'était des obsèques populaires, mais des obsèques populaires élargies aujourd'hui aux obsèques officielles avec l'arrivée de quelques chefs d'État africains, notamment le Rwandais Paul Kagame et l'Angolais João Lourenço. Donc, merci. Ça prend tout son caractère officiel et les deux chefs d'État qui sont déjà ici au Stade des Martyrs auront l'occasion d'aller déposer leurs gerbes de fleurs sur la dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi. C'est une question d'agenda pour les deux présidents, l'Angolais et le Rwandais. On trouvait qu'ils avaient des opportunités de se présenter. Mr. President Kagame of the Republic of Rwanda, I would like respectfully to invite you to come and deposit your flowers. Aller déposer sa gerbe de fleurs sur la dépouille mortelle de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames Bouyane, c'est une image forte. Hein? La dernière visite officielle de Paul Kagame ici à Kinshasa date des festivités marquant le 50e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. C'était en 2010 et on le revoici aujourd'hui. Un Paul Kagame très détendu qui est arrivé au stade des Martyrs avec un air vraiment détendu, il faut le dire. Et Paul Kagame qui est venu apporter son soutien à son homologue congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Même si Tshisekedi, on le fête, mais il faut se le dire, il y a les membres de sa famille biologique, le pleure. Hein, pleure Tshisekedi. Et Paul Kagame a fait le déplacement de Kinshasa pour déposer, assister son homologue et déposer cette gerbe de fleurs, et comme vous le remarquez au travers des images qui nous arrivent sur notre moniteur, Paul Kagame est là, à côté de son homologue congolais, Félix Tshisekedi. C'est une image très forte, Mme Mouyal Mangal. Oui, c'est la suite logique de la diplomatie que Félix Antoine Tshisekedi a imprimée. Voyez-vous, en si peu de temps, il a fait la tournée régionale, il s'est rendu à Kigali, il s'est rendu en Tébé, en Ouganda. Et c'est la République, c'est tout à fait normal que dès le début, il a donné des intentions. Et c'est le résultat qu'on est en train de reporter. Mais saisissant l'opportunité de dès qui frappe le voisin, et il vient partager. C'est ça l'Afrique. C'est ça l'Afrique, parce qu'il n'y a pas autre chose. Première visite de Paul Kagame à Kinshasa. Sous Tshisekedi Félix Antoine Tshilombo, c'est pendant des moments très difficiles. C'est tout dire, non? Justement, c'est pendant les moments difficiles que l'on reconnaît les vrais amis. Pas seulement quand on vient pour célébrer les choses, mais pendant les moments de souffrance, on est humain, même si on est chef de l'État, on a toujours besoin de recevoir un coup d'appel, disant mes condoléances, je partage les souffrances, un peu comme notre présidente du syndicat, de la délégation syndicale. Regardez cette image. C'est pas pour la qui salue Félix et qui salue Madame la première dame et qui salue João Lourenço.
c'est... Regardez ce Señor final, regardez cette image, mesdames. João Lourenço do Angola, eu gostaria de convidá-lo a depositar os seus flores. C'est un homme compliqué, difficile, mais il est très détendu aujourd'hui avec à côté de Félix, et voilà, c'est le tour. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, du monde, 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 nous allons continuer à déposer les gerbes de fleurs. En présence de Nous allons les appeler. Madilo a dit que nous avons dit que Nous avons dit que nous avons un peuple. Voilà, très chers téléspectateurs, le président rwandais vient de quitter le stade de Martyr. Il est arrivé aujourd'hui. Aussitôt arrivé, il est allé en Tselé pour une tripartite Rwanda, Angola, RDC avec ses homologues congolais et angolais. Paul Kagame est arrivé ici au stade des martyrs pour déposer sa gerbe de fleurs sur la dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Mission accomplie, il vient de quitter le stade des martyrs et dans quelques instants sera le tour du président. Na tangwakala, na royaume Congo, pour na kozwa konzo ya kayou, ko wumela na musala, peko sepeli sa ba maman. Mibali ba zalaki ko sali la sekele ya bokoko na biso. E sengu zalaki na ba fami sans problème. Lelo pou na ko zongi sa sekele ya bokoko. Congo Nature, une société congolaise de la Californie USA, expert en fabrication de produits 100% naturels. E sololi na ba mfumu ya bwala, pe ba memeli bino, formule ya sekele ya konzo ya mibali. Konzo Force. Ozana posa ya kokeni ba vacances, ko multiplie ba mbongo ya kayou pona papa. Pe ke mosala ekoma kitoko, mama ko ezite te zombela papa. Konzo Force po esengo ezonga na fami sans problème. Konzo Force, un produit 100% naturel fait à base de plantes du Congo et bien dosé par la dernière technologie des spécialistes de la médecine américaine. Et très moins cher, avec seulement $20, obtenez une boîte de Konzo Force. Le stock est très limité, appelez maintenant au 15 14 700 2199. Livraison très facile partout au monde. Konzo Force. Sekele ya konzo ya mibali, banda ba koko na biso.